Bonsoir, bonsoir. Petite session très rapide avant d'aller dormir. Donc je suis en train de tester un petit setup. On se fait un petit peu de Neo Geo MVS. On se retrouve sur Neo Geo Cup 98. C'est la version qui est sortie en fait 98 de Super Saiyan 3 avec actualisation des équipes, quelques améliorations au niveau de l'intelligence artificielle, etc. Donc on va aller jouer à ça. On va le faire dans les conditions. On va dire comme si elle était d'origine. Voilà, j'ai ma borne Neo Geo MVS, mais elle est trop loin pour que je la capture. Donc j'ai fait une petite modification sur cette borne Naomi. Et comme ça, je peux mettre les jeux originaux à l'intérieur. Sinon, c'est du MVS. On va passer dessus. Vite fait. Hop. Voilà. Comme ça, ça va être plus simple. On va se le faire sur... Condition. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Normalement, je faisais un one credit sur ça, mais... Normalement... avec cette équipe, mais on va tester. Qu'est-ce qu'on va choisir? L'attaque. On est parti. On y va, on va se refaire le match. Normalement, c'était pas comme ça, ça arrivait. J'aurais dû changer les specs sur le power-up. Oh là là, là-dessus. Ah, j'ai pas la récupération là. Enfin 1-0. 1-0, 1-0. À se laisser avoir là, les Danois dans le collimateur. Oh, le petit passage. Oh là là, la défense du gardien. Ils sont submergés en défense, mais là une petite contre-attaque, une petite erreur défensive peut-être, non, même pas. Alors là, faut les avoir dans le collimateur. Voilà, bonne défense du défenseur portugais. Mais là, le Danemark continue et voilà. 1-0, emballé c'est pesé. Ah, mauvaise statistique là. Hey!
Mais bon. Allons-y, allons-y. J'espère qu'on m'entend bien. Contre la Jamaïque. La Jamaïque. On est parti. Allez, y'a personne, hein. C'est Bolt là. Oh là là, j'étais trop près. J'étais trop près, ils sont. Ouais. Oh là là. Ah non, même pas la récupération de l'attaquant portugais, mais pas en touche. Repositionnement des équipes. Le choix tactique qui a payé à la petite feinte sur le côté. Ah là là. Elle n'est pas passée. Maintenant peut-être. Ça va le gardien à terre, mais non. Ah ici. Voilà. Petit dribble et shoot. Ça a marché. 1-0. Le plus dur, c'est que de temps en temps, ils font des attaques éclairs. Tu te fais avoir vraiment l'intelligence artificielle. C'est comme ça, c'est le favoritisme après. Hein. Sur l'arcade, c'est comme ça. Ah, j'aurais pas dû. On va avancer consciencieusement. L'attaquant, il dribble. Petit shoot, et non, ça n'a pas passé. On va essayer. Tir croisé. Un petit dribble. Ah non. Le petit dribble et shoot, ça n'a pas fonctionné. On va essayer. En centre peut-être. Pas parfait de centre. Ah, corner, non. Non. Ah non. Touche. Touche. Il y a un attaquant portugais qui est bien positionné. Il récupère. Il tire. Ah là là. Ah la petite recharge, mais non. Ça n'a pas marché. On va réessayer. Ah ouais, c'est une petite chance peut-être, non, on n'a pas eu de temps. 1-0 service minimum. Service minimum. Donc, déjà 3 points dans la poche. Et maintenant contre le Japon. Allons-y. La passivité là, une petite chance. Et petit shoot croisé, mais le gardien était attentif. Il était attentif, mais là, mauvaise relance, je pense. Là, récupération, croisé, il est tout seul. Un petit dribble. Le shoot, oh là là, ça a passé quasi. Le gardien était attentif. On est parti, le capitaine qui passe à l'attaquant qui fait le... Ah, le petit dribble n'est pas passé. Joueur du milieu, tir croisé là, voilà. Lucarne. Joli but. Joli but. 1-0. Pour l'équipe... Portugal. Et on continue sur l'avancée, faire attention à l'attaque éclair des Japonais. Pour l'instant, une petite passivité dans la défense. Ah là là, c'était le retir croisé là, j'étais bien. On va essayer de passer, voilà. On passe, recroisé. Ah, peut-être la recharge, mais ça n'a pas marché. On va essayer, recroisé, voilà la puissance du tir. Puissance du tir et ça rentre. Ça rentre, mesdames et messieurs. Donc faut voir. 2-0, on a une petite marge. On va pas se laisser essayer d'en mettre encore quelques-uns pour les statistiques. À côté, là, la fine. La frappe croisée. Frappe croisée. Oh là, l'attaque du Japon, là.
Attention, l'attaque du Japon. Et voilà, le gardien portugais est une buse. À chaque fois, il se mange le ballon dans la face et il tombe, il s'évanouit là, tout de suite. Ça fait 3 buts que je me mange comme ça. Et c'était pareil, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'aurais dû mettre la puissance pour les défenseurs. Parce qu'en attaque, voilà. En attaque, j'ai pas besoin de power-up, quoi. 2-1. 2-1, ça passe. Ça passe. Petit service minimum. Donc là, déjà, une chose un petit peu plus sérieuse, l'Argentine. Dernière équipe du groupe à passer. Donc pour l'instant, il y a un bon positionnement. Ah, j'étais loin, là, je voulais centrer. J'aurais pas dû. Voilà, hop. Hop là, de la tête. Petit centre, but de la tête. Ça n'avait pas marqué. Les Argentins n'avaient pas marqué le joueur à la culotte. Donc là, c'est. But de la tête. Gardien ne pouvait rien faire. Attention aux Argentins, ils ont très bonne attaque. Très bonne attaque. On va essayer de sortir bien que mal. Voilà. Voilà là. Là, ça commence déjà à être plus sérieux. La petite feinte. La petite feinte. Et on est parti. Ah là là. Il est intercepté, mais là il est tout seul. Oh, il est tout seul, le dribble n'a pas fonctionné. Petite erreur de dribble. On va essayer de recentrer, peut-être. Ça avait bien marché tout à l'heure. On va essayer de recentrer. Oh là là, ça ne veut pas. Peut-être le shoot. Non. Alors le petit pont de l'Argentin. Ça va, on progresse. Il était passé, il est passé. Face à face et but. Ah là là. C'est bon ça. C'est bon. Ah, le gardien est dépité là. Erreur de défense, face à face. On lâche rien. Le temps, ouais, ça va. Deux buts d'avance, faut vraiment défendre là. Là, je sais qu'ils vont être vénères. Ils vont être vénères, donc faut vraiment que je les empêche par tous les moyens. Bah voilà, je me le mange. Demain, ça, je le sais. Là. Après, ils sont vraiment en berserk, quoi. Ils ont marqué en 2 temps, 3 mouvements, quoi. J'essaie de perdre du temps. Voilà. Ah, peut-être. Voilà. Ouh. Là, c'est garanti, là. 3-1. 3-1 contre l'Argentine. Hat-trick. Hat-trick de Dominguez, numéro 11 de l'équipe du Portugal. Bien sûr, les joueurs sont fictices. Ce n'est pas les vrais noms. Voilà, vraiment sur la fin. C'est la vengeance. La vengeance, en fait, de l'autre jeu. Ah, un bon goal average. Et on avance vers la quart de finale. Portugal contre Yougoslavie. Ouais, parti. Oh là, le marquage là-haut. Je l'ai vu. Hein. Il est parti. Dès que le joueur l'a pris. Hop. Et ben voilà. Petite faille défensive, petit dribble, petit shoot. Balle. Vraiment mis. Côté du gardien, très puissante. Et but de Pires. Numéro 9. Donc, faire très attention. Le capitaine de la Yougoslavie qui prend le ballon. Il le passe. Oh là là,
Elle est en train de trouer la défense, mais ça se passe pas mal pour l'instant. Bonne récupération du Portugal. On perd au milieu du terrain. Hop, on envoie le capitaine portugais, envoie vers l'attaquant. L'attaquant sort. Oh là là, la passe qui a manqué. Petite erreur défensive. On récupère Pires. Ah non. Le capitaine portugais qui essaie de récupérer le ballon. Attention à la défense. Attention à la défense. Le joueur là, il est rapide. Comme l'éclair, on avance. Hop, l'attaquant portugais, Pires, on est parti. Oh là là, récupération défensive. Mais on est là, on est présent, on est attentif. Pareil que tout à l'heure. Celui-là, il est rapide. Hein. Heureusement que j'ai ce joueur qui est rapide au milieu de terrain. Bien sûr, les joueurs ont des capacités différentes. C'était déjà un très bon truc. Voilà, on avait un jeu d'arcade avec des joueurs avec des aptitudes différentes. Oh là là, mon joueur, il est crevé. Il est crevé, récupère le ballon. Récupère le ballon, c'est pas bon ça. Ah, je crois que ça va être juste. Fouh, coup de sifflet final qui me sauve littéralement là. 1-0. Service minimum, on passe en demi-finale. Demi-finale contre le Brésil, Portugal-Brésil. Du côté, on avait France quelque chose. Attention. On est parti pour cette demi-finale disputée avec une équipe du Brésil qui est plus en forme que l'équipe vraie. Non, en 98, ils étaient champions du monde avant la compétition de 98. Mais, faut que je marque là. En 98, après, c'était la France. Mais là, ils avaient le titre. Ah, le petit. On va retester par ici. Voilà. Gros shoot. On l'a semé. Rebal croisé, voilà. Lucarne, côté droit. On l'a eu à l'usure. Maintenant très attention au Brésil sur la remise de jeu, donc but de Pires numéro 9. Donc là, faut vraiment faire très gaffe. Là, bah, les remises en jeu, le Brésil veut contre-attaquer, mais là faut vraiment y aller bourrin. Vraiment récupérer cette balle et la balancer devant. Perdre du temps là. Hop. Oh, on va avoir une occasion, tir croisé, récupération, retire. Ah, le petit tac qui n'est pas passé, la défense brésilienne tient le coup, tir croisé et voilà, 2-0, on est bien parti. Ah, il est content là, attaquant, le milieu de terrain, Pires, c'est le deuxième but, peut-être qu'on va faire un hat-trick, mais moi je me méfie, là on est à... On a un petit peu plus de 50% du jeu là, de la cette partie, donc faut faire très gaffe. Oh là là, bon arrêt du gardien portugais. Donc là pour l'instant, oh là là, la défense. Et voilà, facilité dans la relance. On a eu un petit contre sur la balle qui a été éjectée, mais après voilà, passivité du gardien. Le gardien est vraiment aux fraises. Faut pas se laisser avoir, faut pas perdre, voilà. Être attentif. Balle croisée pour ressortir de la défense, ça c'est bien. Rebal croisé, attention, on a un joueur qui s'est mis, c'est le capitaine portugais. Il ne récupère pas le ballon quasiment sur la fin. On remet, non, c'était pas le hat-trick. On avait l'occasion. Donc on va en finale, on avance. À la finale. Donc c'est en 20 minutes, on est à la fin. Et voilà, la France a perdu contre l'Allemagne. Donc ça va être Portugal-Allemagne en finale. Finale de Coupe du Monde. Donc là, ça va faire c'est un one credit en fait. Le premier match, c'était celui de chauffe.
Et là, c'est pour l'instant, ça va. On va essayer de marquer vraiment très vite. Enfin, qu'ils sont. Voilà. Tir croisé là, parce que mon attaquant il est très fort. Surtout que j'ai mis le power-up en attaque pour pouvoir avoir ses, ses shoots très précis. Donc, but de Dominguez, numéro 11. L'attaquant du Portugal, donc 1-0. Donc là, on va essayer de défendre tant bien que mal cette équipe d'Allemagne déjà qui est arrivée. Si elle arrive en finale, c'est que elle se débrouille très bien. Là, c'est pareil. Pouh, la défense. Et là, la défense, c'est nous qui gérons quoi. C'est nous qui devons défendre. Il n'y a pas de gardien automatique. Ah là là. La mauvaise passe en touche. Mauvaise relance. Ça va bénéficier l'équipe du Portugal peut-être. Ah non. Mauvaise passe. Ah, le joueur rapide. Ah non, ça n'a pas suffi. Le gardien du Portugal toujours. Ce gros problème du gardien du Portugal. Vraiment, un gros shoot dans la face et il est dans les vapes tout de suite. Donc on est parti. On va essayer de reprendre l'avantage. Ah, la faute. La vilaine faute de l'attaquant du milieu de terrain plutôt Bamberg de l'Allemagne. Donc là on va essayer de mettre à l'attaquant. Oh, shoot, il était tout seul à côté. C'était l'occasion de prendre l'avantage. Là c'est vraiment c'est chaud. Là on est en finale, là ça rigole plus. Ça ne rigole plus. Donc on essaie de repartir à l'attaque vite fait. Voilà, hop. Ah, balle croisée, elle est pas passée. Allez, dans les derniers instants, là ça serait joli. Là ça serait joli, mais non. Ah, ça. Faut croire. Oh là là. Ah, le problème de marquage. Ah, vraiment sur la fin, on est à l'extra time là. On est à l'extra time et voilà. Oh là là, un partout. Faut le refaire, bah ça sera pas. Donc refinal. Portugal. Allemagne. On est parti. Très très chaud là. On a vraiment des températures d'été vraiment super chaudes. Il tricote l'Allemand là. Il tricote. Faut vraiment marquer dès le début pour avoir un petit avantage quand même. Ah là là, le sauvetage, mais non. Oh là là, le petit sauvetage, c'est bon. On s'en sort. Tir croisé puissant. Ah, on ne l'a pas récupéré. On va essayer de progresser. Petit centre peut-être, non. Ah, le shoot, j'ai pas utilisé la technique. Hop, voilà, tir croisé, ça fonctionne. 1-0 pour le Portugal en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. But de Dominguez, numéro 11. Salut Bruce, comment vas-tu? Là c'est chaud. Va faire gaffe à la contre-attaque allemande parce qu'ils sont très féroces et mon gardien est une buse. Donc faut vraiment essayer
de compenser ses erreurs. Il est tout seul. Récupéré, j'ai réussi à le sauver. On dégage. Oh, je suis concentré, c'est la fin. Voilà. Bah moi ça va très bien. Ça va très bien. Je me fais un petit. Ah bah aucun problème. Moi aussi c'est vraiment un petit. Petit live tranquille et voilà. Hein. On l'a fait, champion du monde. Je teste un petit setup là et on sait un petit. Un petit Neo Geo Cup 98. Merci d'avoir passé en tout cas. C'est sympa. Non, c'est du MVS. C'est pas une Astro, c'est une Naomi. Et en fait, parce que j'ai l'arcade, la MVS, elle est trop loin. Et pour faire les branchements sur le PC, la Naomi, c'est plus pratique. Donc j'ai modifié les branchements pour que ça accepte aussi du JAMA. Et là, je suis avec une cartouche MVS. Attends, bouge pas. Ah oui, ça rend bien, ça rend bien. Regarde, là, on est sur ça. On est sur du MVS. Hop, on est sur ce jeu-là. Oups, là. Neo Geo Cup 98, donc voilà, c'est du MVS. On n'en voit plus sur celle-là. Cup 98.